pour sélectionner les objets dans Blender, c'est simple. Avec la clic droite, on peut les sélectionner. Vous voyez, il devient orange. Si je veux sélectionner deux objets en même temps, il y a celui-là qui est sélectionné. Je reste appuyé sur Shift et je clique droit sur l'autre objet. Maintenant, ces deux qui sont sélectionnés. Vous voyez, il y a une différence des couleurs. Il y en a un qui est un peu plus foncé et l'autre un peu plus clair. C'est parce que celui-là, c'est le dernier sélectionné. C'est important qu'on reviendra pour les leçons lire les parentés parents-enfants. Si je veux les désélectionner, j'appuie sur A. Pour sélectionner tout, j'appuie sur A encore. A, c'est pour sélectionner tout et désélectionner tout. Il y a un autre outil qui est très utile, cercle. C'est avec la touche C comme cercle. Vous voyez, il y a ce petit cercle qui se met sur la souris. La taille, on peut l'agrandir avec la molette de la souris. En tournant, on peut l'agrandir et diminuer. Je vais mettre à peu près comme ça. Et je clique gauche. Et je glisse sur les objets que je veux que ce soit sélectionné. Il sélectionne. Pour annuler l'opération en cours, je clique droit de la souris ou j'appuie sur échappe. Maintenant, c'est deux objets qui sont sélectionnés, pas les autres. Pour inverser la sélection, comme tous les autres logiciels, c'est CTRL-I. Vous voyez? Il y a un autre outil encore, je vais te désélectionner avec A. Il y a un autre outil de sélection qui est très utile, c'est outil de sélection de border avec B comme border. J'appuie sur B une fois, il y a ça qui se met sur la souris. Je clique gauche et je glisse. Je prends mes objets dans le petit carré, je lâche et là les deux objets sont sélectionnés.